show up. I praise you. Shut up. Tu as fait de nous tes serviteurs. Tu nous appelles tes élus. Nous sommes à toi. Nous t'appartenons. C'est ça notre chose. Nous t'appartenons et pas un autre. C'est toi notre maître. C'est toi notre Dieu. C'est toi notre roi. Nous te célébrons. Nous sommes fiers de te servir. Nous sommes fiers de venir en ce lieu pour te chanter. Nous sommes fiers, éternel, de venir en ce lieu pour t'adorer, te célébrer, pour parler de ta voix. Nous sommes fiers de t'avoir pour Dieu. On magnifie. Glorify, Lord. Que ces instants te glorifient, Seigneur. Tu es le patron de ce culte. Que ce culte te glorifie. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur. Je bénis ceux qui nous suivent à partir de l'Internet. Que ta grâce nous environne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Quelqu'un acclame pour Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Ésaïe, chapitre 10. Nous allons lire quelques versets là-bas. Je vais lire en français le verset 5. Malheur à l'Assyrien, verge de ma colère. La verge dans sa main, c'est l'instrument de ma fureur. Versets 12 à 15. Mais quand le Seigneur aura accompli toute son œuvre sur la montagne de Sion et à Jérusalem, je punirai le roi d'Assyrie pour le fruit de son cœur orgueilleux et pour l'arrogance de ses regards hautains. Car il dit, c'est par la force de ma main que j'ai agi. C'est par ma sagesse, car je suis intelligent. J'ai reculé les limites du peuple, des peuples et pillé leurs trésors. Et comme un héros, j'ai renversé ceux qui siégeaient sur des trônes. J'ai mis la main sur les richesses des peuples, comme sur un nid, et comme on ramasse des œufs abandonnés, j'ai ramassé toute la terre. Nul n'a remué l'aile, ni ouvert le bec, ni poussé un cri. La hache se glorifie-t-elle envers celui qui s'en sert? Ou la scie est-elle arrogante envers celui qui la manie? Comme si la verge faisait mouvoir celui qui la lève, comme si le bâton soulevait celui qui n'est pas du bois. Le verset 25 à 27. Mais encore un peu de temps, et le châtiment cessera. Puis ma colère se tournera contre lui pour l'exterminer. L'Éternel des armées agitera le fouet contre lui, comme il frappa Madian au rocher d'Horeb, et de même qu'il leva son bâton sur la mer, il le lèvera encore comme en Égypte. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule, et son joug de dessus ton cou, et la graisse fera éclater le joug, et l'onction fera éclater le joug. Actes chapitre 1er, versets 3 à 8, et nous prenons Actes 10, 38.
Actes chapitre 1, verset 3 à 8. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves. La personne se meurt par de nombreuses preuves. Se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu ou le règne de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Chapitre 10, verset 38. Actes 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Dernier passage, c'est 1 Jean chapitre 3, verset 8. 1 Jean 3, verset 8. 1 Jean 3, 8. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quelqu'un pour acclamer la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur que nous acclamons, s'il vous plaît. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le message de ce matin sera une suite logique de le message du dimanche passé concernant la célébration de la Pâque. Cette glorieuse victoire que le Seigneur a remportée. Lorsque nous lisons les Actes des Apôtres, et même un texte de 1 Corinthiens 15 qu'on n'a pas lu, la Bible résume ce qui s'est passé dans la fin de chaque évangile concernant les apparitions du Jésus ressuscité. Jésus ressuscite de mort. La Bible dit, il se présenta, il apparut à ce disciple. Il leur donna plusieurs preuves, de nombreuses preuves de sa résurrection. La Bible ajoute qu'il leur apparut pendant 40 jours. Wow. Ça dit, depuis le dimanche passé, si on peut compter ça comme ça, il faudra compter 40 jours. Jusqu'au 40e jour, je ne sais pas, ça sera quel jour du mois de mai, peut-être le 13, quelque chose comme ça. 40 jours durant, Jésus apparaît à son disciple. Tantôt à l'autre, tantôt à un groupe de 2, tantôt à un groupe de 4, un groupe de 10, un groupe de 11, un groupe de 500 même. J'y reviens tout à l'heure. Tout ça pour donner des preuves qu'il est ressuscité et qu'il est vivant. Dieu m'a dit de te dire, avant qu'avril ne termine, trouve un temps de retraite.
Pour vous qui avez déjà ce programme là, mais qui hésitait, je vous encourage d'avoir ce moment de retraite. Un moment où tu vas passer du temps seul dans la présence de Dieu. Ou même en groupe, peu importe. Mais que tu donnes beaucoup de considération à ces instants-là. Parce que Dieu veut se révéler à toi de manière particulière. Si vraiment ton régime de vie ne te permet pas de te retirer pendant quelques temps, quelques jours, parce que tu travailles tout le jour, parce que tu as un horaire contraignant, je te prie d'avoir soit des nuits de prière, des instants où tu passeras un temps conséquent dans la présence de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que vous me rassurez que je parle à quelqu'un ce matin? Si tu crois que Jésus est ressuscité de mort, si tu crois que la Pâque se célèbre, tu dois croire aussi que ce qui s'est passé après Pâques peut se passer maintenant dans ta vie. Église, je ne vais pas parler longtemps aujourd'hui. Je suis venu t'annoncer que Jésus apparaît. Jésus apparaît. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de pleurer, mais Jésus apparaît. Et je prie Dieu que tu expérimentes ça. Je suis en train de voir pendant que je parle quelque chose qui va arriver à quelqu'un parmi nous. Toi, tu ne seras pas en retraite. Mais ton cœur sera tellement concerné parce que j'annonce ce matin. Pendant une nuit. Avant qu'on arrive le 23 mai. Pendant une nuit, à partir de maintenant. Tu vas vivre une apparition du Seigneur. Là où tu dors, dans ta chambre ou je ne sais pas, mais là où tu dors. Et si parce que je vois quelqu'un alité et du coup. Comme une lumière, une forte lumière, entrer dans la pièce où se trouvait, et il se réveille, et il commence à voir et à écouter le Seigneur. C'est tellement clair dans mon esprit. Nous sommes à un temps de visitation. Nous sommes dans un temps de visitation. Je dis, nous sommes dans un temps de visitation. La Bible dit quand il est ressuscité, Jésus a pris 40 jours pour leur prouver qu'il est ressuscité, qu'il est vivant, mais aussi pour leur parler du règne ou du royaume de Dieu. Quel sera le message principal des disciples ou des apôtres? N'est-ce pas annoncer le royaume de Dieu? N'est-ce pas annoncer le royaume de Dieu? Maintenant, Jésus veut. Et quand je dis Jésus veut pour les apôtres, c'est valable pour toi maintenant. Jésus veut que toute personne qui devra annoncer son royaume, que cette personne puisse avoir des preuves tangibles que ce qu'il annonce est vrai. Je prie Dieu qu'il agisse dans ta vie. Qu'il opère un miracle. Et même plusieurs miracles. Jusqu'au point que tu sois convaincu
Parce que c'est seulement comme ça que tu pourras être convaincant. Tu ne peux pas convaincre les autres de ce dont tu n'es pas convaincu toi-même. Possible. La théologie nous donne des informations, mais la théologie ne nous convainc pas. La conviction est l'œuvre de l'esprit. Et pour ça, il utilise des preuves, des écritures, des choses tangibles qui vont marquer à toujours ta vie. Même si on veut te jeter dans la fournaise ardente, tu diras au roi, même si Dieu ne me délivre pas, moi je ne suis pas prêt à adorer la statue que tu as élevée. Va en prière. Dieu répond aux prières. Dieu agit dans la vie de ceux qui prient. Dieu agit dans la vie de gens qui prient. Trop de chrétiens plaintifs, pleurnichards, on n'en a que foutre. Tu dois te rendre dans la présence du Seigneur. Tu dois secouer son trône. Tu dois passer du temps dans la prière. Tika qui vous a commis l'élaga, et Seigneur le qui s'abattant dans le sambo. Quelque chose de glorieux s'est passé cette semaine. Et le comoko yan kembo et saïmina poso. Avant dimanche de Pâques, il y a un couple qui vient de temps en temps prier avec nous. En tout cas, maintenant là, je ne sais pas dire s'ils sont membres de la restauration, mais en tout cas, quand ils ont le temps, ils viennent une fois le mois, très souvent, le dernier dimanche du mois, très souvent. C'est un couple que j'encadre. J'ai écrit à la femme. Le samedi ou le vendredi 2 ou le samedi 3, pour leur dire, dis à papa, si ce sera possible que vous veniez fêter la Pâque avec nous à l'église de la restauration. La sœur m'a dit, formidable, nous serons là sans faute. Le dimanche, parce qu'on était tellement nombreux ici et de l'autre côté, que je ne sais pas savoir qui est venu, qui n'est pas venu. Mais le mardi, j'étais au salon chez moi. La sœur s'appelle Dinage. Si elle vient au deuxième culte, je vais vous la présenter. Elle m'écrit, dit, papa, nous ne sommes pas venus au culte de Pâques parce que j'avais oublié que ma grande sœur devait être soit dotée ou prédotée entre deux. J'ai dit, gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse, c'est pas grave. La prédication est en ligne, que le Seigneur vous bénisse, bonne fête de Pâques. Il dit, non papa, c'est pas pour ça que je vous appelle. Ça c'était l'information pour justifier notre absence, mais c'est à cause de cet événement là que je vous appelle. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, le monsieur qui devait venir doter ma soeur ou prédoter, j'ai oublié la précision, il n'est plus venu. Jusque tard la nuit, on a préparé, les gens étaient là, ma soeur était maquillée, vous savez comment vous faites les choses, le gars n'est pas venu. Jusqu'à cet instant que je te parle, le gars est introuvable. Il n'est pas chez lui, sa famille ne sait pas où il est, son téléphone ne passe pas. Un groupe de gens avec qui nous avons prié pour ce cas nous ont transmis une prophétie. Là c'est la sœur qui parle. Il dit, de bien aimé avec qui nous avons prié par rapport à ce sujet, nous ont donné une prophétie nous disant que il est déjà mort, nous devons aller chercher son corps à la morgue des sanatoriums. J'étais au salon. Je ne savais pas quoi dire à la sœur. J'ai dit, bon, de toutes les façons, nous allons prier pour qu'il soit retrouvé.
Na bongo toko bondela poye amonisama. En tout cas, je ne vais pas vous mentir, je vous dis la vérité. Nous allons prier pour qu'il soit retrouvé, que ce soit un cadavre, qu'on le retrouve et qu'on l'enterre quand même, qu'on fasse le deuil. Azale bembe, si il est au couto mona et peut au salamata. Si il est vivant là où il est. Soki azala bombo et d'ici azali. Nous allons prier pour que Dieu nous le retourne. Toko bondela poye tenzambe azongi sae. Il dit, ma soeur est inconsolable, papa. Et nous nous sommes mis à prier. On a prié. Et le vendredi, la soeur m'appelle. Que le monsieur est retrouvé. Il est retrouvé vivant. Il a été enlevé. On l'a amené jusqu'au Bas-Congo. Et pendant que moi je priais, je voyais un homme séquestré dans une maison noire. On l'a enterré à moitié. C'est ce que je vous dis maintenant, même cette famille-là ne connaît pas, parce que quand la soeur viendra, c'est alors que je vais lui dire des choses. Qui sont dans le coup? Qui ont fait que cela arrive? Le Seigneur m'a tout dit. Ce matin, je viens te prêcher un Dieu vivant qui répond aux prières. Nous servons un Dieu qui écoute les prières. Écoute-moi, une prière est capable de sécher les larmes de toute une famille. Une prière est capable de sécher les larmes de toute une famille. Et pendant que tu es en train de dire amen, que la consolation arrive dans ta famille. Oui, bien-aimé, depuis le dimanche passé, Dieu m'a dit que nous sommes en train de recevoir une semence dont la germination sera rapide. Dieu donne la stabilité à son peuple. Vous allez devenir stable, chacun de vous. En tout cas, je prie Dieu que tu puisses avoir une bonne définition de ce que ça veut dire, la stabilité. Une nouvelle marche commence. Une nouvelle allure commence. Il y aura même des déplacements. Il y aura même des déplacements. D'un point fixe pour aller plus loin dans la vie. Pendant la convention 2019, le bishop Sony avait défini le mot mouvement par un mot originel qui veut dire tremblement. Je prie Dieu que dans ta vie il y ait un tremblement qui va provoquer le mouvement. Cela va faire que tout ce qui stagnait dans ta vie puisse recevoir une énergie nouvelle. Il y aura du mouvement dans tes affaires. Il y aura du mouvement dans ta vie professionnelle. Il y aura du mouvement dans tes études. Il y aura du mouvement. Ça ne sera plus possible de faire du surplace. Nous allons avancer. Tu vas quitter le niveau de faire les affaires en train d'acheter les produits dans un sac qu'on appelle market. Et tu vas acheter des sacs maintenant. Oh, tu ne dis pas bien amen, parce que moi, je crois que bientôt tu seras livré par des camions. Alors, des camions vont se garer devant ton shop pour déposer les histoires, parce que c'est à ce niveau-là que tu montes. Et très vite, ce sera des conteneurs. Il y a un mouvement. Il y a un grand mouvement. Même en termes de transactions bancaires. Il y a un grand mouvement. Au fait, je suis en train de te dire que tu n'auras plus aucun doute de Dieu. Tu auras suffisamment de preuves dans ta vie qui attesteront que Dieu est vivant en toi. Et que Dieu est avec toi.
que le Jésus qui est ressuscité t'apparaisse comme il l'a fait à Saul de Tarse. C'était encore un païen. Il n'avait pas encore reçu Christ. Jésus lui est apparu. Et quand il est devenu Paul, Jésus lui est encore apparu. À Osborne, Jésus est apparu. Pour ne citer que ces deux-là. Sinon, les cas sont légions. Et toi aussi, tu ne peux pas être porteur du même message du royaume de Dieu sans manquer dans ta vie des preuves qui te convainquent toi-même d'abord et qui atteste réellement que ce Jésus dont tu parles est vraiment ressuscité et qu'il est vivant. Il est différent de Bouddha, il est différent de Mahomet. Citez tous leurs noms si vous en avez le temps. Jésus est différent. Jésus est vivant. Ça fait 2000 ans qu'il est mort, il est revenu à la vie et il vit. Et il parle. Et il agit. Je prie Dieu qui te parle. Je prie Dieu qui agisse sur ta vie. Ah oui, comme tu me fais plaisir avec ton amen, que cela t'arrive cette semaine. Où tu entends la voix de Dieu. Où tu vois le Seigneur Jésus t'apparaître. Et te dire des choses. C'est possible. Il est apparu à Marie. Écoutez, à chaque fois qu'il est apparu à quelqu'un, l'histoire de cette personne a pris une autre dimension. Il est apparu à Marie. Qui jusque-là n'était considéré que comme une ex-prostituée démoniaque. De laquelle Jésus a eu à chasser sept démons. Maintenant, le cliché de cette femme a changé. De la renommée prostituée, elle devient témoin de la résurrection. La première d'ailleurs à qui le Seigneur mandata d'aller dire aux frères que lui Jésus il est ressuscité. Il est apparu aux deux disciples dans Luc 24 qui allaient vers le chemin d'Emmaüs. Et désormais ces hommes écoutaient Dieu différemment. Et même ils ont dit Cléopas et son ami, ils ont dit nos cœurs ne brûlaient-ils pas lorsqu'ils nous parlaient des Écritures? Et plus tard Jésus soufflera sur tous les disciples en leur disant recevez l'Esprit. Et la Bible dit à partir de ce jour-là ils ont commencé à comprendre les Écritures. Jésus est le Verbe de Dieu. Jésus est la parole créatrice. Il est le Logos. Il est le Rhema. Je prie Dieu qui se revêt dans ta vie comme par un Rhema. Afin que tu comprennes le Logos, la parole qui est écrite depuis ton cœur. Depuis ton cœur, depuis ton esprit, non, à partir de ton cœur, à partir de ton esprit, tu commenceras à comprendre la parole de Dieu. Tu seras en train d'écouter une prédication. À peine l'homme de Dieu commencera à parler, il y aura comme une connexion entre lui et toi. Et tu penseras même à un verset qu'il va citer après. Tu penseras même à un exemple qu'il va citer après. Parce que pour toi, la compréhension des Écritures sera intérieure. Paul dit, je prends plaisir à la loi de Dieu selon mon homme intérieur. Il a apparu à Jacques. Jésus a apparu à Jacques. Et il a fait de lui un pilier de l'Église. Il a fait de lui une colonne de l'Église. Je ne parle pas de Jacques, frère de Jean, mais je parle de chaque frère de Jésus. La Bible dit il a paru aux 12. Dans 1 Corinthiens 15:5. Écoutez l'information. Quand la Bible dit dans 1 Corinthiens 15:5, il a paru aux 12, ça ne veut pas dire qu'il a paru aux 12 apôtres. Non.
Le terme, l'ombre douce devient un terme technique. Pour désigner les apôtres, mais qui ne reflètent pas forcément leur nombre exact. Parce qu'à deux reprises, il apparut aux apôtres. À la première occasion, Thomas était absent, Judas est déjà mort, donc ils étaient à 10. À la deuxième occasion, Thomas est présent, donc ils étaient à 11. Mais la Bible dit qu'il apparut aux 12. C'est comme pour dire les apôtres. C'est 12 qu'il avait choisi depuis Marc 3. Moins Judas. Et Thomas pour le premier cas. Il ne s'est pas arrêté là, il est apparu à Pierre. Oui. Non seulement qu'il confirme son autorité, qui lui avait confié depuis Matthieu chapitre 16. En lui disant que c'était donc le clé. C'est que tu ouvriras sera ouvert. C'est que tu fermeras ici-bas sera fermé. C'est donc le clé du royaume. Lorsqu'il lui a paru, après cet aspect de confirmer son autorité, il lui dit, paie mes brebis. Prends soin de mes brebis. Prends soin de mes agneaux. Nourris-les. Entretiens-les. Il fait de Pierre le premier pasteur de l'église naissante. Et d'ailleurs, on le désigne par ailleurs comme étant le premier pape. Ici, nous préférons l'appeler le premier pasteur de l'église naissante. Il ne s'est pas arrêté là. La Bible dit, Jésus est apparu à plus de 500 frères à la fois. Je prie Dieu que pendant un culte comme ça, Jésus nous apparaît. En plein culte comme ça, convention ou culte ordinaire ou culte spécial, que Jésus nous apparaisse. Et la Bible dit parmi eux, certains sont morts, mais d'autres sont encore vivants. Oh, que Jésus t'apparaisse, c'est que tu vives longtemps, très longtemps pour le témoigner au travers du monde. J'ai longtemps prié hier pour que le Seigneur fasse de la restauration Mazalemba une église de témoins du ressuscité. Il y a trop de blagues dans les églises. Même le nom que porte les églises ne se reflète pas dans le vécu de ces églises. Combien d'églises ont sur leur panneau écrit église évangélique? Combien d'églises ont écrit sur leur panneau église prophétique? Église missionnaire. Mais posez-leur la question. La dernière fois que vous avez évangélisé, c'était quand église évangélique? Quelle est la dernière mission que vous avez eu à militer? Église missionnaire. Et c'est quoi la dernière prophétie que vous avez libérée sur la nation ou les nations? Vous, église prophétique. Pas seulement des noms, pas seulement des labels comme des marketing ecclésiastiques ou ministériels, mais une vie permettant la tautologie qui se vit, qui se vérifie. Que l'église de la rédemption soit une église évangélique dans les sens où il est témoin du ressuscité, qu'elle soit aussi prophétique dans les sens où elle annonce des choses qui arrivent, pas seulement sur 2-3 individus, mais sur la nation et sur les nations. Jésus va finalement apparaître à Paul. Lui-même il dit, il m'est apparu à moi comme à l'avorton. Je prie Dieu, comme Jésus l'a fait dans Jean 17, que même ceux qui nous rejoindront très prochainement ou plus tard, comme ce fut le cas pour Paul, que la même grâce leur soit accordée, la grâce des apparitions,
la grâce de la visitation. Que chacun de nous ait de nombreuses preuves que Jésus est ressuscité et qu'il est vivant. Bien aimé, quand nous lisons Ésaïe 10, il en ressort du contexte même de ce texte que Israël avait péché et que Dieu voulant les châtier, très souvent il le faisait par l'entremise d'une puissance de l'époque, d'une hégémonie, d'une grande puissance. Le dimanche passé, nous avons vu comment Dieu a traité Israël entre les mains de l'Égypte et comment il a retourné la situation après. Et nous savons, selon les prophéties de Jérémie, comment Dieu va punir Israël en les envoyant en captivité en Babylonie. Et là, tour à tour, ils seront entre les mains de grandes puissances de l'époque. D'abord la Babylonie, qui fut renversée par les Médo-Perses. Et eux-mêmes, les Médo-Perses finiront par être renversés par le Grec. Et plus tard, l'histoire nous rapporte que dans la période intertestamentaire, même dans la période où vécu Jésus, et Israël était sous l'emprise romaine. Et toutes ces nations que je viens de vous citer sont des grandes puissances de l'époque. Et elles sont toutes concernées dans la vision que Daniel reçut, la vision de la statue. Mais dans l'épisode d'Ésaïe 10, Israël est châtié par Dieu par l'entremise de la Israël a bétami, n'a pas une ensemble dans la Syrie. Et ce sont les Assyriens qui ont été utilisés comme la main-d'œuvre de Dieu pour infliger la correction à Israël, le peuple de Dieu qui était vacillant, qui a trébuché, qui a péché. Mais le problème qui arrive, lorsque ces nations païennes sont utilisées par Dieu comme un moyen de correction pour son peuple, elles exagèrent toujours. Au lieu de punir le peuple à la limite de ce que le Seigneur a prévu, la Syrie va profiter pour agir pour son propre compte. Voilà. Il prend plaisir au massacre. Il profite de la situation pour satisfaire ce visée impérialiste. Les Assyriens vont piller. Ils vont détrôner le peuple. Et ce n'était pas seulement Israël, partout où ils passaient, ils avaient la victoire. Vous vous rappelez de Sanchérib? Lorsqu'il est venu devant Ézéchias, il lui a dit: tu ne peux rien contre moi. Même ton Dieu ne pourra pas te délivrer de ma main. Parce que toutes les nations que j'ai vaincues et que mes pères ont vaincues, toutes ces nations avaient de Dieu, mais ils n'ont pas résisté devant nous. Et c'est le cas aussi pour la Syrie dans le contexte d'Ésaïe 10. L'ennemi s'appuie sur ses trophées pour s'enorgueillir. Goliath est sorti devant Israël. Jamais Israël n'a combattu un combat comme qui dirait un combat corps à corps entre deux personnes. Goliath s'avança des rangs des Philistins. Il lança un défi en Israël. Il dit: aujourd'hui, pas besoin de tuer beaucoup de gens. Choisissez-moi le plus fort d'entre vous qui vienne se défier à moi, se mesurer à moi. Si je le bats, vous serez nos esclaves. S'il me bat,
nous serons vos esclaves. J'ai déjà prêché ça ici sur les quatre erreurs fatales de Goliath. Enfant de Dieu, permets-moi que je te rappelle ceci. Ton ennemi, qui qu'il soit, il reconnaît que tu peux le battre. Je dis que ton ennemi, quel que soit le niveau de son orgueil, de sa hauteur, il sait que tu peux le battre. Et Goliath l'a confessé. J'étais en train d'évoquer Goliath pour parler de l'orgueil qui anime le cœur de tes ennemis parce qu'ils ont eu à remporter beaucoup de victoires. La Bible dit ils ont chassé les gens de leur trône. Ils ont pillé des richesses de peuple. Ils ont dépouillé des nations. Nul n'a ouvert le bec. Ni remuer son aile. Mais comme pour dire, ils ont vaincu des nations sans aucune résistance. Et l'orgueil est monté dans leur cœur. Ils se sont vus éternellement invincibles. Invulnérables, intouchables. Et Dieu vient rappeler à l'Assyrie qu'il n'a pas à se vanter. Parce qu'en réalité, il n'est qu'un simple instrument entre ton main, lui, Dieu. J'annonce ce matin que le bourreau de ta vie ont une limite qu'ils ne vont jamais dépasser. Tes ennemis ne se permettront pas tout contre toi. Même lorsque tu te trouves dans une position de défaillance, j'ose le dire, même si tu es tombé dans le péché. Parce que le Dieu de la restauration a tellement foi en toi, il sait que tu peux te relever par une repentance et résoudre le problème. Ainsi, il pourra continuer la marche victorieuse avec toi. Voilà pourquoi ce matin, je t'encourage à te repentir. À renoncer au péché. À renoncer au mal. Parce que c'est le mal qui donne accès au diable dans ta vie. Alléluia. Amen. En ce qui concerne le salut, notre foi en la personne et l'œuvre de Christ. Lorsque quelqu'un croit en Jésus, toute forme de servitude spirituelle, l'asservissement en esclavage qui la vilit, que le bourreau Satan imposait dans sa vie, ces choses vont partir. Ces choses vont partir. En lisant Esaïe 10, le verset 27 dit ceci. Esaïe 10, 27. Dans la version d'Arbi. Et il arrivera en ces jours-là que son fardeau sera ôté de dessus ton épaule. Son fardeau sera ôté de dessus ton épaule. Donc c'est le fardeau de quelqu'un d'autre sur l'épaule d'une autre personne. Et Dieu dit que ce fardeau doit être ôté. Et son joug sera ôté de dessus de ton cou. Et le joug sera détruit à cause de l'onction. La version parole vivante dit, il adviendra en ce jour-là que ton fardeau sera ôté. Il glissera sur ton épaule. Fais comme on fait dans la chanson à l'Omolara Sony. Fais ça. Ça va glisser sur ton épaule. Ça va glisser sur ton épaule. Ça ne va plus rester. Il y aura l'huile. À chaque fois que j'ai du mal à ôter mon alliance. Non, l'ancienne est foutue. Ça, j'ai acheté ça au tombola. Au bord-moi 5000 francs. Donc, Gaboli, ça fait ça. Ils ont un document. Donc quand ça coince un peu, non, quand tu as beaucoup mangé de foufou, ça coince un peu. Il suffit de mettre un peu d'huile.
de frotter un peu. Pac. Ça sort. Ebimi. Le fardeau. Kizito. Va glisser. À cause de l'effet de l'huile. La Bible continue. Et son joug cessera de peser sur ta nuque. Écoutez la fin. Version parole vivante. La postérité reviendra au pays. Or, amen. Je n'ai pas vu ça dans 8 secondes. Alors je voulais savoir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi Alfred Gouin a ajouté ça? Je suis allé dans la version du semeur. En ce jour-là, il ôtera de ton épaule le fardeau qui t'avait imposé. Et il enlèvera le joug qu'il aura placé sur ta nuque. Écoutez, ce joug sera brisé pour laisser place à la prospérité. Seigneur vient donner encore une autre information que lui, c'est qu'on n'a pas donné. Que Darby n'a pas donné. Oh, Darby a pécité. Parole vivante parle de postérité qui doit revenir au pays. Et Seigneur vient dire que lorsque ce jour sera brisé, il laissera place à la prospérité. Maintenant, je vais vous expliquer les quatre termes principaux qui se trouvent dans Ésaïe 10, verset 27. Il y a l'épaule. Il y a le cou. Kingo. Il y a le joug. Et il y a le fardeau. Alléluia. Amen. Ce sont les quatre termes principaux qui se trouvent dans Ésaïe 10, 27. Et finalement, la Bible va parler de l'onction. Là, c'est la cinquième chose, mais je n'explique ça pas ça maintenant. J'en parle tout à l'heure. L'épaule. L'ipeka. Dans la Bible. Depuis toujours. Et surtout dans Exode, là où on parle de tabernacle, de symbolisme sacerdotaux et tout, ainsi de suite. L'épaule symbolise l'autorité. L'épaule symbolise l'autorité. D'ailleurs, pour symboliser le pouvoir royal, on mettait une clé sur l'épaule du souverain ou du roi. La présence de la clé sur son épaule, je ne sais pas, c'était clé métallique, c'était juste brodé sur un habit, je ne sais pas. Mais le symbole de la clé sur son épaule représentait le fait que cet homme incarnait une autorité royale. Vous allez trouver ça dans Ésaïe 22, 22. C'est écrit dans Ésaïe 22, 22. Maintenant, écoutez la beauté de l'affaire. C'est que la Bible nous dit, lorsque Jésus s'adressant à Pierre, il le félicite pour avoir transmis fidèlement la révélation de Dieu. Jésus lui dit que je te donnerai le clé. Les clés. C'est-à-dire l'autorité. Tout ce que tu fermeras sur la terre sera fermé au ciel. Tout ce que tu ouvriras sur la terre sera ouvert au ciel. Quand tu t'arrêtes avec cette version là, c'est flou, c'est compliqué. Mais d'autres versions amplifiées rendent ça comme cela. Ce que tu permettras sur la terre sera permis au ciel. Ce que tu autoriseras sur la terre sera autorisé au ciel. Ce que tu défendras sur la terre sera défendu au ciel. Ce que tu interdiras sur la terre sera interdit au ciel. Et dans Apocalypse 3, Jésus dit, le verset 7, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, la clé dont il est question dans Ésaïe 22, 22. Celui qui a la clé
clé de David. C'est lui qui ouvre. Et personne ne peut fermer. C'est lui qui ferme. Et personne n'ouvrira. Bien-aimé, Dieu dit qui t'a donné l'autorité d'autoriser les choses. Et ce que tu autorises sera autorisé comme tu l'as autorisé. Et ce que tu interdis sera interdit comme tu l'interdis. Donc la clé sur l'épaule, c'est le symbole de la royauté. Mais curieusement, dans Ésaïe 10, il n'y a pas de clé sur l'épaule. À la place de la clé, il y a le fardeau. Et le fardeau en question, ce n'est pas le fardeau de la personne concernée. C'est le fardeau d'une autre personne. C'est le fardeau de l'Assyrien. C'est le fardeau de ton bourreau. C'est le fardeau de ton ennemi. Et là, directement, j'explique le fardeau dans ce contexte comme le symbole de la servitude, de l'esclavage. Le fardeau, c'est le symbole de tout ce qui t'est imposé. C'est déjà quelque chose de désagréable et qui ensuite t'est imposé de force. Une ancienne version grecque que j'ai lue dit ceci: le joug disparaîtra de tes épaules. Je suis venu dire à quelqu'un que le temps est venu pour que ce que l'ennemi a imposé dans ta vie disparaisse. J'étais en train de parler à un homme de foi. Je m'adressais à une femme de foi. Il est temps que tu arrêtes de vivre ce que les autres t'imposent à vivre. La vie n'est pas faite pour être endurée. La vie est faite pour être vécue. Je reviens. Le coup et les jougs ont placé les jougs. C'était généralement un dispositif en bois qu'on plaçait derrière la nuque d'un animal. Et parfois on attelait deux bêtes de somme, deux vaches ensemble. Et pour qu'elles fassent le même exercice dans la même direction, on devait leur imposer un joug commun. Comme cela, si l'un va à gauche, l'autre aussi va à gauche. Si l'un va à droite, l'autre aussi va à droite. C'est-à-dire, personne d'entre les deux ou aucune d'entre elles, je parlais de vaches, ne pouvait avoir une direction propre à elles. Soit elle suit la direction de l'une, soit c'est l'autre qui suit sa direction. Là aussi, c'est l'image de l'esclavage. Parce qu'à la période de traite des Noirs, nous avons vu le film comme Kunta Kinte. En réalité, le titre du film, c'est Racine ou Route. Dans ce film, nous avons vu comment est-ce que les Américains ont traité des Noirs. Ils faisaient des chants au sud des États-Unis, dans le Mississippi, le Missouri, Virginie et dans ces États-là. On leur mettait aussi les jougs au cou. Parfois, on leur plaçait des chaînes aux pieds. Et plus grave encore, on les marquait au fer rouge pour identifier de quel maître tu appartiens. À quel maître tu appartiens? On pouvait mettre le nom du maître avant, on met ses insignes. On te cachait ça au cou ou au dos, partout où tu iras. Quand on te voit, on sait qu'on a affaire à un esclave et il appartient à tel maître. Aujourd'hui, le chien porte des colliers, les chiens portent des colliers, et dans ces colliers, dans les pays organisés, il y a même des puces qui
C'est ce qui sert de GPS. Au cas où le chien s'égarait, on peut facilement savoir à partir d'un dispositif informatique où il se trouvait. Et dans ce collier, on écrit aussi le nom de son maître et même les coordonnées. C'est ce qui est arrivé aux hommes. Avant que Jésus n'entre en scène. Nous portions des jougs. Nous portions des lourds fardeaux. Mais j'ai la bonne nouvelle pour toi. C'est que l'onction qui brise le joug ce matin est sur ta vie. L'onction qui fait glisser les fardeaux jusqu'à les briser et les faire disparaître est sur toi. Écoute-moi. Cette onction est royale. Parce que ta destinée est royale. Souvenez-vous de la prophétie du dimanche. Cette onction est royale parce que ta destinée est royale. Jésus veut te délivrer. Jésus veut te libérer de tout ce qui pèse sur ta vie, de tout ce dont tu n'arrives pas à te débarrasser. Jésus veut te rendre libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Lorsque la Bible dit vous connaîtrez la vérité, la Bible ne dit pas que vous connaîtrez le nom de votre grand-père de 5 générations passées. Non. C'est une réalité. Ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est une personne. La vérité est divine. La vérité, c'est la personne de Jésus lui-même. Et si donc le Fils vous affranchit, le Fils qui est la vérité, s'il vous affranchit, oh my God, la Bible ne parle pas d'une église. La Bible ne parle pas du pasteur. La Bible parle de la vérité qui a franchi. Le fanatisme au pasteur Ron ne franchit pas. Tu veux me prouver que tu m'aimes à outrance, ça ne t'affranchira jamais. Mais si Jésus-Christ, qui est la vérité révélée, si lui vous a franchi, vous serez réellement libre. Réellement libre. Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, parce qu'ils sont devenus de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je t'annonce ce matin qu'il y a ici et maintenant l'onction pour te libérer. Il y a ici et maintenant un homme qui va te libérer. Il y a ici et maintenant un homme qui a accepté ta place à la croix pour que tu accèdes à la liberté de Dieu. Il y a ici et maintenant un homme qui est devenu pauvre pour que le joug de la pauvreté soit brisé dans votre famille. J'ai dit que le joug de la pauvreté soit brisé dans votre famille. Ma cousine, ma nièce n'est pas là, elle était là il y a 3-4 dimanches. Son père, mon grand frère, il nous est arrivé entre 1999 ou 2000 jusqu'à 2003 avant que je ne quitte mes parents. Et comme elle a dit ça, 2003, on ne préparait plus du thé chez nous. Le petit déjeuner était devenu un luxe. Mon grand frère faisait bouillir de l'eau dans une grande marmite. Que Dieu le bénisse pour ça. Pour l'esprit de foi. Il mettait du thé, voyez le thé en poussière là. Et il contrôle ça, c'est bon. Il descend la marmite. Maintenant, article 15. Débrouillez-vous. Chacun se débrouille. Va chercher ton sucre. Sucre. De 100 francs aujourd'hui, va chercher ton sucre. Débrouille-toi pour avoir ton pain. Mets tout ce que tu veux dedans, c'est à toi. L'été et la vie te servir. Nous avons passé plus de 4 ans comme ça dans ma famille. Je me rappelle, je disais ça à ma femme, on riait. Un jour, j'avais le choix entre acheter le pain ou quelque chose de plus consistant. J'ai acheté un verre de riz.
Je suis venu chercher dans la maison. Vous connaissez le système là, les huiles qu'on a utilisées. On garde dans les bouteilles de coca. Ma photo va s'y passer là, la milangi. Oh, ces bouteilles vont se détruire ce matin. Ces bouteilles vont être claquées ce matin. Ça, c'est la pauvreté, ça. Et parfois même, on oubliait de couvrir. Les PC vont faire leur affaire le soir. Moi, quand j'arrive, je dis, PC ou pas PC, le feu de vos rangs détruit tous les microbes à plus de 100 degrés. Je prends cette huile, je la remets au feu. Je la remets au feu à plus de 100 degrés. Tous les microbes sont exterminés. Et je prends ça, je verse sous ma marmite du riz. Quand le riz est prêt, je suis conscient. Je connais mon ventre. Je sais que ça là, ça n'a pas fait l'affaire. J'ai pris un gobelet d'eau. L'eau est entrée. Je sais que ce n'est pas une fondation sûre. Mais ça peut faire l'affaire. Et j'ai pris mon riz. À chaque 3 cuillerées, je prenais de l'eau. À chaque 3 cuillerées, je prenais de l'eau. Tout ça pour qu'à la fin, je sente quand même quelque chose. Je pense que toi es venu, que toi qui vis ces choses, tu iras offrir le sac de riz dans les orphelinats. Tu iras offrir le sac de riz dans les orphelinats. Il y a un temps pour la pauvreté. Il y a un temps pour la prospérité. Il y a un temps pour la galère, pour la misère. Il y a un temps pour les anges. Il y a un temps pour le confort. Je t'annonce qu'il y a une onction. Cette onction brise le joug. Cette onction brise le joug. Elle fait tomber le fardeau. Il y a des choses que tu portes dont tu dois te dessaisir. Écoutez ce que Jésus a dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il ne s'arrête pas là. Il dit, prenez mon joug. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Aïe, 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 aïe. Le Seigneur qui va te délivrer des jougs et de fardeaux, il va te donner son joug et son fardeau à lui. Aïe. Je dis, le Seigneur qui va te délivrer du joug et du fardeau de l'Assyrien, il va te donner son joug et son fardeau à lui. Son joug, son fardeau, ce sont ses instructions. Dans 1 Jean 5, 3, il dit, là, ce que j'ai cité là tout à l'heure, c'était Matthieu 11, 28 à 30. Dans 1 Jean 5, 3, il dit, mes commandements ne sont pas pénibles. Mes commandements ne sont pas pénibles. Lorsque Dieu te donne son fardeau, ça peut être un appel. Ça peut être une vision. Un ministère. Quand il te donne ça, il va te donner la provision qui marche avec. Il va te donner la provision qui va avec. Donne-moi amen, je veux te bénir. Non, non, un amen plus fort que ça, je veux te bénir. Merci. Je prie que Dieu te donne la provision attachée à ta vision. Que mon Dieu te donne la provision qui correspond à ta vision. Tu as déjà rêvé que tu siégeais parmi le conseil de ministres. Un conseil d'administration accède à ce poste d'élévation. Tu t'es déjà vu en train de faire du bien aux orphelins, en train de visiter les gens nécessiteux. Que mon Dieu te donne la richesse qu'il faut pour accomplir cette vision. Il t'appelle au ministère qui te donne le qu'il faut, la sagesse et la connaissance qu'il faut, qui te donne tous les atouts, les outils qu'il faut pour faire aisément ce pourquoi il t'a appelé. Cette onction vient de la personne de Christ lui-même. Cette onction vient de sa parole. J'annonce que tout ce que tu vas ouvrir
sera ouvert. Tout ce que tu vas fermer sera fermé. Tout ce que tu vas punir sera puni. Tout ce que tu permettras sera permis. Tout ce que tu interdiras sera interdit. Tout ce que tu défendras sera défendu. Retrouve ton autorité spirituelle au nom de Jésus-Christ. Retrouve ta liberté au nom de Jésus-Christ. Vous qui êtes appelés de Dieu, vivez dans la paix et dans l'abondance. Parce qu'il est écrit dans le psaume, exalté soit Dieu qui veut la paix de son serviteur. En anglais, on dit the Lord who delights in the well-being of servant. Le Seigneur qui se délecte, qui se plaît du bien-être de son serviteur. Recevez la guérison dans votre corps malade. Alors que vous êtes appelé à servir Dieu, lève ta main droite. Nous devons la guérison dans la santé de l'homme de Dieu, l'apôtre exaucé, loué et débattu. Au nom de Jésus-Christ, crie très fort, Amen. Que toute personne qui appelle au ministère soit en bonne santé. En bonne santé. Que tu vives longtemps pour transmettre le message du royaume de Dieu. Que tu vives longtemps pour diffuser le message du royaume de Dieu dans le monde. Alléluia. La Bible dit, celui qui continue à pécher, il est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Mais le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. J'ai découvert une nouvelle version. Cette version s'appelle TFM. La version là, à la fin, elle dit, c'est pour la raison pour laquelle le Fils de Dieu est apparu. C'est pour détruire les œuvres du diable. Elle explique elle-même cette façon, elle dit, c'est pour tuer les affaires que le diable fait. Jésus est apparu pour tuer les affaires que le diable fait. Prie Dieu que Jésus apparaisse dans ma famille. Que toutes les affaires du diable meurent. Au nom de Jésus-Christ. Comme je l'ai dit, qu'il n'y ait plus succession de la sorcellerie. Sorcier, nous vous aimons. Convertissez-vous. Sinon, vous allez commencer à mourir à petit feu. Vos pieds vont gonfler. Elles vont commencer à pourrir. À moins que vous ne vous repentiez. Les œuvres de l'ennemi doivent mourir dans nos familles. Parce que nous avons affaire à une onction qui brise le joug. Qui brise le joug. Qui détruit les hommes du diable. Ses affaires, l'onction vous permet de renverser toutes sortes de défis afin d'accomplir au-delà des limites naturelles. L'onction que vous recevez de Jésus vous permet de renverser toutes sortes de défis afin que vous deveniez un accomplisseur, quelqu'un qui accomplit, qui réalise des choses au-delà des limites naturelles. Toute destinée dorée suscite l'adversité. L'ennemi peut vous combattre même alors que vous êtes encore bébé. Parce qu'il voit votre étoile briller. Laissez-moi vous dire la vérité. Les démons voient l'étoile dans la vie des hommes. Dis-moi même, je vais te démontrer dans les Écritures. Balaam a prophétisé. Il dit, je vois un astre s'est levé. Il a vu l'astre. Il a vu l'étoile. Et c'était Jésus que Balaam a vu. Dans Matthieu, les trois mages. Bon, on ne sait pas s'ils étaient à trois. Les mages ont vu l'étoile. Le mot mage
venu Magoï. C'est le même mot qui donne le mot magicien ou magie. Les mages étaient des astrologues. C'est-à-dire les gens qui étudiaient les étoiles, les constellations. Ils ont vu une étoile briller différemment. Ils ont dit jamais une étoile n'a brillé comme ça. Ça suscitait leur curiosité. Ils se sont déplacés jusqu'à venir voir que l'étoile en question était un bébé couché dans une crèche. Bien aimé, tu peux être né dans une famille pauvre comme Jésus. Il est né dans une mangeoire parce que ses parents n'avaient pas le moyen de se payer une autre lyrie. Mais écoutez la bonne nouvelle, où tu es né ne te définit pas. D'où tu es sorti ne détermine pas ta valeur. Même si ta famille est la plus pauvre, lisez la Bible. Saoul a dit que ma famille est la plus pauvre. Ces gens à qui Dieu s'est approché pour leur confier une mission, ils ont dit qu'ils ne méritaient pas ça parce que leur famille était pauvre. Dieu nous a fait la grâce d'être des pasteurs, des hommes qui sont pauvres ou qui étaient pauvres. Vous donc, mais qui avait des destinées glorieuses. Aïe, 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 amen, on est raté. J'ai tenté de dire à quelqu'un, la pauvreté de ta famille d'aujourd'hui ne détermine pas tes lendemains. Il y a une onction sur toi que tu as reçu de la personne de Jésus. Cette onction donne de la valeur à ta destinée. Une vie vide sans onction peut être une destinée dorée, mais qui va s'émietter, s'ébriter comme un château de cartes. Mais lorsque vous avez Dieu en vous, lorsque son onction repose en vous, vous serez capable de réaliser ce que le commun des mortels n'a pas réalisé. L'onction va t'assurer la victoire sur des terrains compliqués. L'onction va t'assurer la victoire sur des terres compliquées. L'onction brise le joug. Elle est la main de Dieu qui ôte l'œuvre de Satan et qui met fin à des cycles de frustration. Crie très fort, je reçois cette onction. Je reçois cette onction. Très fort, je reçois cette onction. Je n'ai pas entendu encore. Je reçois cette onction. Est-ce que tu peux crier pour la quatrième fois? Je reçois cette onction. Là, c'est crier cinquième fois. Je reçois cette onction. Sixième fois, et la dernière fois, je reçois. Tu as raison de déclarer ça. Parce que cette onction est sur toi. Parce que cette onction repose sur toi. Et la Bible dit, et c'est là que je termine, en ce jour-là, cette expression revient plusieurs fois. On trouve ça dans Joël 2. En ce jour-là, on voit ça encore dans Esaïe 10. En ce jour-là, l'expression veut dire saison. Ça veut dire saison. Un espace de temps assez long. Dans ce contexte ici, cette expression ne désigne pas un temps de jugement, mais annonce un temps de salut, un temps de délivrance. Dans Esaïe 4, verset 2, vous le verrez dans cet aspect-là. Bien aimé, cette expression a pour fonction d'indiquer que la chose annoncée surviendra à une époque lointaine. Oui. Moi, je bénis Dieu. Parce que ce qui était lointain, au temps d'Esaïe et de Joël, c'est notre quotidien.
C'est notre quotidien. Alléluia. Amen. Nous vivons au temps de l'accomplissement des prophéties. Je reprends. Nous vivons au temps de l'accomplissement des prophéties. Nous sommes témoins de l'accomplissement de beaucoup de prophéties bibliques. Vrai ou faux? C'est bien Paul a dit dans 1 Timothée, dans 2 Timothée, nous le vivons. Ce que Jésus a annoncé dans Matthieu 24, nous sommes en train de le vivre. Dans Luc 4, 17 à 21, lorsque Jésus fit son discours programme, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. La Bible dit que Jésus est en train de réciter quoi? La prophétie d'Ésaïe 61. Et quand il arrive au verset 21 de Luc 4, il dit aujourd'hui, oh, quelqu'un crie aujourd'hui. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire aujourd'hui. Jésus dit aujourd'hui, les paroles que vous venez d'entendre se sont accomplies. Ce sont accomplis. Moi aussi je dis, aujourd'hui, il y a des prophéties de ta vie qui vont s'accomplir. Hein? Amen. Hein? Amen. Je dis qu'aujourd'hui même, il y a les prophéties de ta vie qui vont s'accomplir. Dans Jean 7, 37 à 39, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus s'étendant debout et s'écria, si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi et qu'il boive, le fleuve d'eau vive coulera de son sein comme dit l'Écriture. Jean dit, il parlait de l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. L'esprit que devait recevoir, c'est obligatoire. Celui qui croit en Jésus, il doit recevoir l'esprit de Jésus. Celui qui croit en Jésus, il doit recevoir l'esprit de Jésus. L'esprit de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et dans Joël 2, la Bible dit, après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos jeunes de vision. Et en ce jour-là, sur mes serviteurs et mes servantes, je répandrai de mon esprit. Il ajoute encore. Il dit en ce jour-là, le salut sera sur la montagne de Sion. Je prie Dieu que le salut soit sur la montagne de la restauration. Que le salut de Dieu soit sur cette maison. Les peuples vont venir du monde entier. Il y a des gens qui vont prendre des avions. Il descend à l'aéroport. Il est logé dans un hôtel. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu dans un programme de l'église de la restauration de Bazalem. Je ne parle pas que des orateurs. Je parle même des participants à des conférences. Je parle des participants de Bongola Makambu. Je parle des participants à la convention des femmes. Je parle des gens qui vont participer aux jeunes d'Esther. Je parle des gens qui vont venir de partout dans le monde pour venir prendre place à la convention des jeunes. Parce que la restauration Bazaleba sera le sillon de Dieu. Le sillon de Dieu. La montagne où on accourt pour avoir connaissance, pour apprendre la loi de Dieu, mais aussi pour vivre la main de Dieu dans les jours qui arrivent. Ainsi dit la prophétie biblique. Les gens de ta parcelle, ceux qui étudient avec toi, ils viendront s'accrocher à ton habit. Ils te diront, aujourd'hui tu n'iras pas au culte seul. Nous irons avec toi parce que nous avons appris que Dieu agit au milieu de vous. Si je suis un homme de Dieu, ce que je déclare s'accomplit quel jour? Aujourd'hui. Ça s'accomplit aujourd'hui. Les malades viendront sur des civières. Ils sortiront marchant sur leurs pieds. D'autres entreront sur des chaises roulantes. Ils sortiront sur leurs pieds. Et nous resterons avec leurs chaises roulantes dans notre musée. Qu'on va appeler le musée de la gloire. Le musée de la gloire. Là-bas, il y aura des béquilles. Il y aura des lunettes. Des hommes qui ne voyaient pas. Il y aura des cannes. Des aveugles qui s'en servaient. Notre Dieu aura accompli ces choses. Pour, sur la montagne de Sion, qui est l'église de la restauration Bazalem. Et il ajoute, quiconque invoquera le nom du Seigneur
sera sauvé. Quiconque veut dire n'importe qui, qui invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. L'apôtre Pierre, dans Acte 2, il dit que la prophétie de Joël s'est accomplie à la Pentecôte. Croyez. Croyez à l'accomplissement des prophéties, à l'accomplissement des promesses de Dieu sur ta vie. Première chose, tu dois te repentir. Repends-toi. Renonce à la mauvaise vie. Tourne-toi vers le Seigneur. Deuxième chose que Dieu m'a demandé d'annoncer. Rapidement, j'annonce 8 choses. Nous prions un peu et je prophétise. Deuxième chose, la fin de toute servitude, de toute domination maléfique sur ta vie est arrivée. Je parle sur ta famille. La fin de toute servitude est arrivée. Troisième chose, c'est écrit dans Esaïe 10, 26. Allez relire ça à la maison. Dieu te promet qu'il va répéter le miracle qu'il a accompli en Égypte. Dieu va séparer encore la mer. Ça veut dire, partout là où vous êtes bloqué, vous aurez un passage. C'est écrit dans Esaïe 10, 26. Vous aurez un passage. Dieu va séparer la mer. Quatrième chose, les bourreaux de ta vie seront châtiés. Les ennemis de ta vie vont être punis. Ils t'attaquaient secrètement, ils vont être punis publiquement. Cinquième chose, à ça tu dois crier. Les richesses qui t'ont volées vont te retourner. Les richesses qui t'ont prises vont te retourner. J'annonce la sixième chose. Les limites de ta vie vont de nouveau s'étendre. Les limites de ta vie vont s'étendre. Là où tu te sentais limité, bloqué, tu iras plus loin. Je dis, tu iras plus loin. Tu auras plus gros salaire que ce que tu as maintenant. Tu auras la possibilité de faire plus grande chose que ce que tu fais maintenant. Avant dernière parole, tu seras vite replacé sur ton trône. Tu vas vite récupérer le trône de ta destinée. Dernière parole, la pauvreté devient étrangère à ta vie. La pauvreté devient étrangère à ta vie. Le joug sera brisé pour laisser place à la prospérité. Pourquoi les gens que Dieu a utilisés n'ont pas laissé de successeurs? Je parle surtout des juges. Parce que les juges n'avaient pas le droit de léguer leur onction à la postérité. Mais David a vaincu Goliath avec une fronde et une pierre. Et 1 Samuel 17:50. Maintenant écoutez le mystère. David a vécu entre deux dispensations. David a vu la fin du règne des juges avec le dernier juge Samuel et le début de la monarchie avec le premier roi Saül. Maintenant David vient. Contrairement à Saül. Parce qu'on a proposé à Gédéon de faire des successeurs, Gédéon a refusé. Samuel a osé faire de ses fils des juges, ça n'a pas marché. Saül n'a pas pu léguer son onction à Jonathan. Mais David, il a porté une onction qu'il a pu laisser à Salomon. Salomon à comment il s'appelait? Roboam. Ainsi de suite jusqu'à Jésus. J'annonce que tu vas porter une onction, une bénédiction que tu vas léguer à la prospérité. Ton manteau ne mourra pas avec toi. Tu vas le léguer à tes enfants. Je parle à une mère soucieuse de devenir de ses enfants. Je parle à un papa qui est maintenant devenu maladif à force de se soucier de ses enfants. Au-delà du matériel, il y a un héritage que tu vas laisser à tes enfants. C'est la grâce que Dieu a déposée dans ta vie. Tu ne laisseras pas tes enfants à vide. Oh my God, tu ne
laisseras pas tes enfants à vivre. Et je dis que tes enfants ne souffriront pas comme toi tu as souffert. Parce que Salomon vécut dans la paix. Alors que David passa toute une vie dans la bataille. Lève-toi sur ta chaise. Commence à acclamer le Seigneur. Nous allons faire deux prières seulement. Acclame le Seigneur. Parce qu'il s'est décidé de te donner des preuves de sa résurrection. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que je peux entendre acclamer le Seigneur ?